Salut tout le monde, c'est 12h54, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel comme d'habitude. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Blockcraft 3D, comme vous le savez. On se retrouve pour la présentation de ma nouvelle église que je viens de terminer. Voilà, donc je vais vous présenter le tout en allant avec cette colline. Je vais vous montrer. Voilà. Donc ça ressemble à ça dès que c'est en haut, dès que vous êtes en haut. Donc je ne vais pas monter sur l'arbre, mais ah, là peut-être qu'il y a de la chance que je peux. Je vais faire comme ça. Voilà. Donc là, c'est le clocher. Donc vous voyez quand vous commencez à voir un petit peu la partie du clocher. Vous commencez à voir les abat-jour et le sol. Donc les cloches, je vous en dis pas. Je vous dis pas maintenant combien il y en a, vous allez le découvrir une fois qu'on sera dans le clocher. Alors là, c'est la nef. Donc j'ai fait une partie clocher et une partie nef, c'est-à-dire une partie séparée. Donc le boîtier de commande, il est dans le clocher, il est juste à l'entrée du clocher. Alors là, je vais vous présenter le tout. Donc on commence par la nef, ça va être rapide sur la nef. Donc ça sera le premier plénium qui sera mis dans l'église Saint-Maurice. Voilà, donc il y a beaucoup plus de bancs que dans l'église Saint-Pierre, que vous avez sûrement voir pendant une de mes vidéos, je vous invite à les revoir. Des chandeliers pour mieux éclairer la nef, avec l'autel, la sacristie avec des blocs pour faire les armoires, des blocs de toiture. Voilà, c'est très basique. Un carrelage fait en briques bleues. Et un brick de table, voilà. Alors maintenant, ça ce sont les vitraux. Alors là, on va aller à la partie à la plus intéressante vu que vous adorez les cloches. Donc là, le sol c'est fait avec de la pierre. Le boîtier de commande, donc il y a quatre petits boutons, donc vous allez comprendre pourquoi il y a quatre boutons. Alors on va monter cet escalier et tadam! Il y a quatre cloches de volée et de tintement. Ah bah tiens, en plus j'ai un villageois qui. C'est Jean-Paul. Qui allait sur la cloche numéro 3. Donc là, je vais vous présenter tout ça. Donc déjà, vous avez des escaliers pour accéder au-dessus du beffroi. Et vous pouvez aussi accéder sur les jougs des cloches. Alors là, ça c'est la cloche numéro 1. Ça c'est la cloche numéro 2. Ça, c'est la cloche numéro 3. Et ça, c'est la cloche numéro 4. Voilà. Donc là, voilà. Donc dites-moi en commentaire si les cloches sont bien réussies avec leur joug ou pas. Voilà. Donc dites-le-moi en commentaire. Avec le beffroi qui dépasse comme ça. Ça peut faire. Ça fait très RP quand. Quand les cloches elles sont comme ça fait très RP. Voilà. Donc voilà, ça fait vraiment très très beau. J'aime beaucoup le clocher, la matière, j'aime beaucoup. Donc déjà, on a un villageois qui visite le clocher. Donc pour ceux qui ne savent pas, au niveau des horaires, les portes sont ouvertes à tous les visiteurs. Donc voilà, vous pouvez visiter la sacristie, vous pouvez visiter la nef, vous pouvez visiter le clocher. Surtout quand il y a les messes, le clocher il est fermé et donc on n'a pas le droit de le visiter. On n'a pas le droit de le visiter. Dès qu'il y a une messe, le clocher est fermé. Alors déjà, je vais vous faire sonner les cloches de mon église. Je vais aller sur Grasmair, bien sûr. Excusez-moi, c'est juste ma mère. Elle me dérange. Donc déjà, je ne sais pas encore quelle est. Alors, ça, c'est la. Donc ça c'est la petite. Ça, c'est la 3. Voilà. Voilà.
le plénium pour la sur la première sonnerie du plénium. Donc là, j'ai fait de la cloche numéro 4, j'ai fait 4, 3, 2, 1. Donc là, on va aller à l'intérieur du clocher pour... on va aller à l'intérieur du clocher. Donc là, la cloche que vous entendez, ça, c'est la cloche 1, la 2, la 3, la 4. Donc déjà, je vais venir sur les jougs. Je vais vous montrer ce que ça donne sur les jougs. Donc là, vous pouvez voir les certaines chambres où sont les cloches. Donc ça, c'est la première chambre avec les cloches 1 et 2. Et ça, c'est la deuxième chambre avec les cloches 3 et 4. Donc la 4, c'est celle-là. Ça, c'est la 3. Ça, c'est la 2. Et ça, c'est la 1. Je vais pas vous le répéter 5000 fois. Donc là, on va rester dans le clocher, ou peut-être qu'on va redescendre, mais là, on reste dans le clocher. Bon, là, je vais partir, donc là, je vais arrêter le live. Alors, on va couper les sonneries. Voilà, les sonneries sont coupées. Donc là, je vais quitter Blockcraft. Et voilà. Donc là, on va arrêter le live. Donc je retourne sur Airshow. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu ou est-ce qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à activer la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos Blockcraft. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu sur mon village et à bien liker, surtout à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je sors une vidéo par jour, donc c'était The Sport 54. Allez, bye tout le monde.